Récemment, les parties liées ont consécutivement émis des signes positifs, ce qui sous-entend que la crise nucléaire en péninsule coréenne soit résolue par le dialogue et la consultation, ce que nous encourageons. La Chine approuve le principe américain, 4 non, et espère que les États-Unis agiront en fonction de leur engagement et que la RPDC se dirigera dans la même direction. Nous attendons avec impatience que les parties concernées démontrent la sincérité et les conditions de construction propices au dialogue et au pourparlers de paix.